to your favorite modern world. Vamos a hablar de un grupo del Chile que se llama Ace. Ouais, on peut le faire en français aussi. Bonjour tout le monde. Alors que je traversais une grave crise musicale, le dernier EP des Chiliens du groupe Ace m'a sauvé. J'avoue que depuis la sortie de leur précédent album, Beyond Drama, et de Bahamut, l'EP électro-cinématique qui a suivi, je ne sais plus vraiment où en est le groupe avec son chanteur. Avec Obras de los Rives, le Quatuor propose 25 minutes en 4 morceaux interprétés par autant d'artistes. Et cette fois, c'est en espagnol que cela se passe. Leur travail n'est d'ailleurs pas sans rappeler celui de Esquirla, la fabuleuse rencontre improbable de Nino de Leche avec le groupe de post-rock Tundra. Sur Obras de los Rives, on retrouve bien entendu la musique de Hales, mais pour ce qui est du chant, on est plus proche du flamenco que du rock progressif. Et cela va certainement en dérouter plus d'un. C'est particulièrement vrai sur le magnifique morceau chanté par Cuervos del Sur, La Poderosa Muerte. Plus de 11 minutes progressives d'une incroyable puissance qui allie instrumental et chant rugueux en espagnol. Mais je m'emballe. Parlons déjà du premier titre. La Conquistada est chantée par un fan chilien de Queen, à savoir Nico Bory, qui fait plein de reprises sur sa chaîne YouTube. Sa manière de chanter fait beaucoup songer au groupe italien No Sound, que j'adore, jusqu'à ce que la musique s'emballe, et là je retrouve le Ace que je connais bien. La Mira Niñita est nettement plus consensuelle que la Poderosa Muerte. Une jolie ballade à la manière de Hijo de la Luna de Mecano, où chante la délicieuse Dulce y Agraz. Soube à Nacer Conmigo, qui termine l'EP, reprend les sonorités électroprog de Hales sur le chant traditionnel de Nanostern. Le contraste entre les deux univers est saisissant, mais il fonctionne. Il fonctionne à condition d'avoir apprivoisé le morceau, ce qui n'est pas forcément évident en fait. Évidemment, cet EP est pour le moins étrange. Du rock progressif électro chanté pour une fois en espagnol avec de fortes consonances folk, ça ne court pas vraiment les rues. En plus, lorsque deux des chanteurs viennent de la musique traditionnelle chilienne, il y a de quoi en déstabiliser plus d'un. Pour ma part, je trouve ça audacieux de la part de Hales de se remettre une nouvelle fois en question. Et j'aime ça, vraiment, chez les artistes. La bonne nouvelle, c'est que Obras de los Rives m'a sorti de ma morosité musicale, enfin un petit peu. Et rien que pour cela, je vous invite à écouter cet ovni qui est disponible sur Bandcamp. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve dans une semaine pour une nouvelle trouvaille. D'ici là, écoutez de la musique et soutenez les artistes en allant à leurs concerts. Bonne nouvelle, chez Paulette, rouvre ses portes. Vous pouvez cliquez sur le pouce si vous avez aimé cette chronique et si vous voulez suivre les autres, abonnez-vous. Bisous.